Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Fear 2 Project Origin. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va plutôt bien. On est donc parti. On s'était quitté juste dans l'ascenseur la dernière fois, et bien là, je continue. Ah, ça commence bien. Je ne veux pas sortir. What? Wow. Oh, ça va être chaud. Cet épisode va être chaud. On s'approche doucement de la fin, je pense. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Ok. Bon, on va aller voir... Faut la ramener à la chambre. Pauvre gamine. Ok. Bon. Ça risque d'être chaud quand même. Tout qui se trouble. Ça clignote de partout. Ah mais c'est vraiment l'arbre sur... enfin, 1-2. C'est vraiment là où elle jouait en fait. D'accord. Moi j'y vais. Je sais ce que je suis. Waouh. Elle dit je sais ce que je suis. Oh, c'est chaud. Ouais. Ah. Oh mon dieu. J'ai tiré en plus, hein. Vous voyez, il y a la cartouche qui est là. Ah, ça m'apprendra à faire le guignol, tiens. J'étais là, ouais, trop marrant, lololol. Non, pas trop lolol en fait. On dirait qu'il y avait quelqu'un, mais j'ai encore vu personne. Ok. Stokes, ça bouge beaucoup. Vraiment beaucoup. Retenez-les autant que possible, mais ne prenez pas de risques. Si ça craint trop, je veux que vous dégagiez. Je vous abandonne pas, lieutenant. Vous obéirez à mes ordres. Connerie! Vous pouvez me foutre un procès si on survit à ça. Ok, donc ça va péter. J'espère que vous n'êtes pas loin. Hey, l'eau est pas dégueu, hein. Et franchement. Pas moche. Quand même pas marcher dedans, c'est jamais. Je vais pas abîmer mes bottes. J'aime pas les longs couloirs comme ça. Ah non, on dirait qu'on sort vraiment pour le coup. Cool. Ah non. Oh purée. Dégage toi. Oh, des réflexes, cool. Fusil sniper est complet. Oh ouais. Dégage. Dégage. Là je sais, dès que je rentre là-dedans, ça va se refermer. Mais c'est sûr. C'est tellement sûr. Allez, je vais prendre le gilet du coup. Et je vais prendre les balouses de snipouze. Ah non, mais c'est sûr, dès que je vais rentrer là-dedans, ça va péter direct. Regardez, hop. Ah non. Eh, quelqu'un. Ah bah c'est Keegan, ah non. Ah, c'est Morales. Morales, Morales. Vous êtes là, Manny? Comment ça se passe? Ok, ça pète là. Oh, ça bouge. Ça bouge. C'est impossible de viser, ça bouge de partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça bouge trop.
Ça va être compliqué si ça bouge comme ça. Surtout au snipe. Ok, je l'ai touché. Oh, vive les knacky balls. On ramasse les fusils d'assaut. Parce que quand j'aurai plus ce qu'il faut, je serai bien content de trouver ça. Enfin, d'avoir ça sous la main. Ok. Dégage. Oh, lui. Il m'a l'air de résister un petit peu mieux à mes balles. Oh, excellente la musique! Oh, elle est géniale cette musique! Ah, je vais essayer de la retrouver après dans l'OST parce qu'elle est franchement top. Ah, j'adore la musique! Salut Morales! Oh, Beckett! Vous êtes un putain d'enfoiré, pas de doute! Ouais! Ah, je suis bloqué! Bon, c'est par là! What? Bon sang! Hey, Stocks! Les commandes ont morflé pendant le combat! Vous pouvez ouvrir cette porte d'où vous êtes? Je crois que oui. Un instant! On dirait qu'on a des invités de dernière minute. T'inquiète, montez sur la tourelle et débrouillez-vous. Ah yes. Y'a de l'action là! Ah mais la musique est géniale quoi! Eh bien, ce fut fun. Ce fut très fun, cette petite partie. J'ai un problème d'arme, par contre, là. Je peux plus changer d'arme. Hey, Beckett! Bonne chance, mec. Ah, mon arme bug. Regardez, elle tremble et je peux pas changer. Ah, je peux rien faire. Ah non, mais c'est nul, par contre. Un vieux bug comme ça, là, au mauvais moment. Je suis censé faire quoi? Je peux plus rien faire. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là, on a un petit souci, les amis. Parce
que bon, là, je suis censé entrer ici. Et après, à mon avis, je suis censé ouvrir ça. Sauf que comme mon arme bug, je ne peux rien faire. Je peux même pas jeter de grenade. Ah ouais, je suis complètement bugué. On va charger la dernière sauvegarde. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça va. On reprend pas la partie la plus chiante, ça va. Ça pète de partout, c'est génial. Ok. Je ne veux pas de surprise. J'ai une arme qui bug pas. Ok. Bon, ça va, ça a été vite. Et là, ça devrait pouvoir passer. Je sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug. Hein. Bonne chance, mec. Merci. Alors. Fais quoi ? Bonne chance, merci, mais. Ah bon, d'accord. Bon, bah, ça se trouve tout à l'heure. Ça aurait pu le faire, quoi. On va reprendre une arme normale, on va dire. Intervalle 7, Union. What? Je me fais carrément scanner, quoi. Ah bah c'est Micheline. Beckett, par ici! Contente de vous revoir. Je savais pas si vous y arriveriez. Enfin, je pensais pas qu'on s'en sortirait. Je vais quand même faire mon petit tour avant. On sait jamais. Voilà, par exemple. Le générateur de champ n'aura pas l'effet escompté, comme en témoignent les dernières données. Dingue, émanant de la voûte. Nous ne pouvons plus la confiner, mais dans de bonnes conditions, nous devrions pouvoir l'éliminer. Voilà, il y avait rien d'autre. Oh. Bon, ah oui. Allez, finissons-en. J'ai eu peur, je croyais que ça avait bugué encore. J'allais dire, oh non, hein. Oh, 20 fois quand même, hein. Alford ne savait pas ce qui se produirait au retour d'Alma. J'espère que c'est pas un truc de film d'horreur et qu'elle lit pas dans les esprits pour utiliser nos peurs contre nous. Ça serait l'enfer. Quoi qu'il arrive, je veux juste que vous sachiez. Personne n'aurait pu faire mieux que vous, Beckett. Si on s'en sort, c'est grâce à vous. Oh, elle est trop choupie avec moi. Arrête, tu vas me faire rougir. Ouais, c'est grâce à moi et tout. Ah là là, elle me flatte un petit peu. Quoi ça ? Ah, un élément de renseignement. Bonjour. Carson, je voulais vous tenir au courant de la situation. J'ai réussi à placer l'un des candidats Harbinger dans le CRT, l'exposant ainsi à Alma. Je pense que si on réussit à le transférer dans la zone de confinement, je pourrais y attirer Alma et la piéger. Je comprends votre inquiétude sur ce malheureux incident. Ceci dit, je pense que tout peut encore rentrer dans l'ordre. Je sais que j'ai une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, mais je peux vous assurer que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour servir au mieux les intérêts d'Armacam. Si vous pensez que je n'ai plus ma place au sein de la corporation, je suis prêt à démissionner. Mais on pourra discuter d'autres alternatives lorsque Alma sera sous contrôle. Cordialement, Geneviève Aristide. Oh, quelle journée! Oui, madame, je suis assez d'accord. Et encore un élément!
Puisque l'amplificateur télesthétique de Steel Island peut amplifier jusqu'à 11,6 fois les signaux télesthétiques en comparaison des petites unités de nos autres installations, il convient de prendre les précautions qui s'imposent pour minimiser les accidents. Vérifiez que le dispositif est complètement chargé avant d'enclencher le limitateur Alford, car les fluctuations de puissance lorsque la séquence d'initiation, même infime, peuvent entraîner le déchargement spontané de l'énergie télesthétique du sujet et blesser, voire tuer toute personne qui se trouverait dans le caisson de test. Ok. Ah. C'est reparti. Déclenchez le sas. Une fois à l'intérieur, je dois vérifier que tout est comme Snakefist l'a indiqué dans ses notes. Pendant ce temps-là, vous pouvez charger l'amplificateur. Très bien. Bon, on voit pas ce qu'il y a de travers. Attendez. Non, on voit rien. Ah, encore une note. Ah bah dis donc. Salut Dave, tu sais cette boîte à musique qui était dans le vieux bureau d'Arlan Wade au complexe de Steel Island? Eh bien, Madame Aristide la veut, si elle est toujours là. Je lui ai dit qu'elle appartient à Alma, mais visiblement elle est... Mais visiblement elle s'en fiche, pardon. J'imagine que sa musique lui est restée dans la tête depuis qu'elle l'a entendue. La prochaine fois que tu viens ici, peux-tu la faire envoyer à l'adresse personnelle de Madame Aristide? Merci l'ami Lyle. Encore un caisson. Super, encore un sas. Et donc, il y en a des sas. Ça se passera pas comme ça. Je sais, vous n'étiez pas prêt non plus pour celle-ci. Et encore un document. Ah bah dis donc. Dans le cas peu probable d'une désynchronisation à grande échelle, enclenchez immédiatement la coupure d'urgence du système. Cette coupure active un champ d'amortissement et confine le sujet dans le caisson de suppression télesthétique jusqu'à ce que le système se resynchronise ou que le sujet succombe. Le caisson de suppression est conçu pour pouvoir accueillir les émanations télesthétiques jusqu'au type 4 et il est donc déconseillé d'utiliser ce dispositif pour les télépathes de type 5 et plus. Ah bien. Détruisez Alma. Ah ouais, carrément. C'est le moment où ça va être chaud, là. Activez la console. Ok. C'est ça. Selon Snakefist, faut quelques minutes pour atteindre la puissance maximale. Waouh. C'est moi qui vais devoir aller là-dedans. Influence, je n'ai plus d'avenir. Je rêve! La ville est en ruine et tout ce qui compte pour vous, c'est votre putain de CV! Écoutez. Non, vous écoutez. On va faire ça à la Alford. On va liquider cette saleté. Je suis désolée qu'on en soit là. Vraiment. Je ne suis pas si mauvaise, mais je n'ai pas le choix. Votre destin vous attend, sergent Beckett. Ne le faites pas attendre. Ok. Faut que je change d'arme. Ok, ça va être très très chaud.
qu'il me fait, lui? Wow, wow. Direct, hein. Je suis mort? Non. Ah ouais. Bon bah du coup, on continue. Allez! Ah, c'est pas vrai! Chiant, lui! Ça va devenir très chaud! Oh là là, j'ai plus de vie, quoi. Allez! Putain, je t'ai aidé. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah bah c'est chaud. En plus là, quand j'ai voulu switcher de scène sur XSplit, ça m'a carrément fermé le générique de fin. En fait, là on a terminé le jeu, les copains. Je vous jure, regardez, on va le refaire, hein. Je vous garantis qu'on a terminé le jeu. Allez, voilà. Là on fait ça, on réactive le machin. Je vous jure qu'on l'a terminé. C'est ouf. Regardez, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Là, en fait, on est un petit peu en train de faire l'amour avec Alma. Hein? Voilà. On tue machin. Kigan. Ah, c'est ouf. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Donc là, on se dit, bah, c'est bon, elle est morte. Là, il y a tous les petits points bleus très sympathiques, très, très, très cool. Voilà. Et là, boum, ça s'ouvre avec Alma, direct. Qui est enceinte, hein, parce que oui, c'est express chez elle. Et là, regardez, boum, elle vous fait toucher son ventre, on entend des petits bruits,
des petits bruits de certainement de bébé. Et là, bah c'est la fin. Et ça fait bizarre. Mine de rien, ça fait bizarre. Je m'attendais pas à le terminer dans cet épisode-là, je m'attendais peut-être plus au prochain. Cela dit, l'épisode fut riche en rebondissements. Franchement, la dernière partie du jeu, ça bourrine violent quand même. Ça bourrine très violent. Ça bourrine, c'est un petit peu effrayant, mais ça va encore. Disons peut-être que je me suis peut-être habitué à l'ambiance du jeu aussi. À l'ambiance un peu cracra du jeu, je m'y suis peut-être habitué. Du coup, ça me faisait peut-être moins de choses qu'au début. C'est bien possible, hein. Honnêtement, rien n'est impossible avec Ocread. Et bien voilà, on a terminé Fear 2, les amis. Ah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Parce que moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Je voulais vraiment terminer ce jeu. Alors, maintenant que ce let's play est terminé, il y aura certainement beaucoup, beaucoup moins de let's play sur cette chaîne. Je vais essayer de revenir à un contenu peut-être plus... J'allais dire plus travaillé, mais c'est faux, parce qu'un let's play, même si c'est plus facile à tourner, ça demande quand même un certain temps de préparation, etc. C'est pas un travail de flemmard, le let's play, il faut le savoir. Même si ça peut être considéré comme ça par beaucoup de personnes, ça l'est pas. Ça demande vraiment pas mal de temps. Du temps d'enregistrement, du temps de préparation, et c'est pas si mal que ça, le let's play. J'aime beaucoup partager avec vous, et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler un petit peu dans le générique. Je sais que très peu de personnes écouteront ce message, puisque vous êtes très peu à avoir suivi Fear 2. Et sachez que c'est pas pour ça que je me demi-stoppe sur les let's play. J'en ferai encore, mais peut-être beaucoup moins. Mais en tout cas, plus à la même fréquence. Fear 2, je voulais vraiment le faire, ça me tenait à cœur. Mais je pense que quand il y a eu mon déménagement et que j'ai eu la fibre, tout s'est accéléré pour moi. Voilà, je me suis dit, ah, je vais faire ça. Ah oui, puis je peux lancer là-dessus, puis je peux lancer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et au final, je pense que je me suis un peu perdu dans mes let's play. J'ai vraiment lancé trop de séries. Donc je vais me recentrer sur certaines séries que je dois quand même permettre d'avancer. Et Fear 2, en tout cas, ça y est, c'est fait. C'est terminé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous en parlerai bientôt de toute façon, hein, de tout ce que je vais prévoir par la suite. Mais pour le moment, je pense que ce sera très bien comme ça. Et bien voilà, vous voyez, hein, c'est bien la fin du jeu. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé la fin, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, ça m'encourage. Je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao, c'était Ocrad. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine.